Bienvenue à Spa pour l'avant-dernière manche de la Formula Renault 1.6 NEC Junior. On est avec Paul Silius qui prendra le départ de la première course de la première ligne. Paul, une très bonne qualification ce matin. Oui, c'était, ça allait très bien. J'ai trouvé la vitesse parce que le week-end précédent, on a vu de malheur, mais maintenant on est très près. Et tu as trouvé un bon setup ou c'est quoi la raison? Oui, j'aime bien ce circuit. Il y a beaucoup de virages rapides et j'aime bien ça. Nico Otto, l'Allemand, qui a fait ses débuts cette année, s'améliore de course en course. Nico, how was qualifying for you? Nico, comment étaient les qualifs pour toi? Oui, assez bien parce que je suis 8e et c'était un bon tour. C'est le meilleur tour de week-end que de tout le temps que j'ai jamais fait ici. C'est mon deuxième fois ici à Spa, donc c'est pas mal. Je crois que dans la course, qu'on peut encore améliorer quelques places. Et c'est quoi tes ambitions pour ce week-end? Oui, être dans les 10 premiers. Un podium, ça sera un peu difficile, je crois, parce que peut-être quand les autres font des fautes, mais normalement, 7e ou 8e, ce serait pas mal. Ferdinand Habsburg, un peu des qualifications décevantes parce qu'il n'est pas que 7e à la première course. Ferdinand, for the second time. Ferdinand, deuxième fois ici à Spa. Est-ce que tu aimes bien ce circuit? Oui, mais c'est un circuit difficile pour ces voitures parce qu'on n'a pas assez de puissance. Mais c'est un circuit mythique. Et c'est assez facile pour préparer parce qu'il y a beaucoup de vidéos et de simulateurs. Mais c'est difficile d'avoir un bon tour parce que dès le moindre erreur, tu perds quelques dixièmes et puis ça te fait perdre un demi-seconde à la fin du tour. Donc tu dois être vraiment dedans dès le début. Et tu es même suivi par des caméras ici ce week-end? Oui, c'est bien, ils font du bon boulot et je suis bien heureux qu'ils aiment ce que je fais. C'est bien qu'ils soient là, qu'ils envoient une équipe télé pour, j'espère, de faire un bon résultat ici. En pole pour cette première course dans le soleil à Francorchamps, Florian Janitz du Lechner Racing School avec Paul Silius à ses côtés sur la première ligne. Et derrière, le leader du championnat, Anton de Pasquale, qui partage la deuxième ligne avec Jan Oesmaer. On prend le départ avec Boris Kolff qui est 9e sur la grille de départ. Bon départ pour Kolff. Est-ce qu'on va passer la source sans incident? Kolff qui se bat avec Nico Otto qui est donc parti 8e. L'Allemand qu'on parlait juste avant la course. Et voici Jan Oesmaer qui est 4e derrière Paul Silius. Paul Silius qui a perdu une place au départ en faveur de Anton de Pasquale. De Pasquale qui se bat maintenant avec Florian Janitz. Et ici Boris Kolff et Nico Otto. Et ils passent tous les deux, Boris Kolff et Marcel Lenners passe Nico Otto. Et entre-temps, Paul Silius repasse Jan Oesmaer pour la troisième position. Et c'est Anton de Pasquale, le leader du championnat, qui a pris la tête. Parti troisième, il lui a suffi un tour pour prendre la tête de la course devant Janitz. Puis Ralf Aron, l'Estonien, qui est troisième. Et une petite bataille entre Silius et Oesmaer. Et peut-être que Max de Fourny peut en profiter ou Ferdinand Habsburg qui est juste derrière. Et Kolff se bat avec Cédric Pirot de Pirot Sports. Mais Kolff rate son freinage. Mais il reste quand même devant. Le pilote hollandais qui est maintenant en 9e position. Devant toujours Anton de Pasquale, l'Australien. Devant Florian Janitz. Et puis Ralf Aron. Et ça va encore bouger vers la fin peut-être. Maintenant c'est Oesmaer qui est 4e devant Max de Fourny. Et Florian Habsburg qui est 6e. Et Oesmaer qui se bat toujours avec Paul Silius. C'est difficile ici au combe. Mais il garde Silius derrière lui ou pas? Si. Les deux Hollandais qui se battent pour la 5e place. Et puis Silius qui rétrograde parce qu'il a des problèmes mécaniques. Malheureux pour le Néerlandais. Entre-temps, Anton de Pasquale file faire une 7e victoire de la saison. Toujours devant Janitz et Aron. Et à la fin, cet ordre sera renversé. De Pasquale gagne donc devant Aron et Florian Janitz. Belle victoire pour l'Australien. Il a déjà mis une main sur le titre.
qui est félicité par Florian Yannitz. Anton, great race for you. Anton, une course fantastique pour toi. Oui, c'était une bonne course. Le qualif, j'étais troisième. J'ai essayé de faire le plus qui est possible. Et le premier tour, j'ai dépassé deux. Et j'ai essayé de prendre un petit trou et de contrôler la course. Et demain, il pleuvra demain. Oui, ça devrait être intéressant. J'ai eu de mauvaises qualifications. Je ne pars que neuvième. Ce sera assez difficile. Mais après la victoire d'aujourd'hui, j'ai déjà un peu moins de pression demain. Donc peut-être que ça va aller. Victoire donc pour De Pasquale devant Ralf Aron et Florian Yannitz. Florian, how was your race? Florian, comment était ta course? T'es troisième? Ouais, ouais, je peux vivre avec. J'avais pas la vitesse pour attaquer les premiers, mais on va y travailler pour demain. Demain, la course suivante, il pourrait pleuvoir et c'est une bonne chose pour toi? Oui, bien sûr que c'est bon pour moi parce que je suis bon dans la pluie. Et je suis très confortable sur une piste humide. Champagne donc pour Yannitz De Pasquale et aussi pour Ralf Aron qui prend un peu de temps pour ouvrir sa bouteille. On voit les résultats. De Pasquale gagne donc devant Aron, Yannitz Habsburg 4e et Jan Wessner 5e. Puis la deuxième course, comme attendu, sur une piste humide avec des pneus pluie donc, avec Paul Siliès en pôle. Devant Ferdinand Habsburg, Jan Wessmeyer est 3e et Max De Vorni 4e. Et comme ils n'ont jamais roulé sous la pluie, ces pilotes, c'était départ derrière safety car. Et après un tour, c'est Paul Siliès qui mène le peloton devant Habsburg. Wessmeyer et De Vorni, Yannitz est 5e et Anton De Pasquale que 9e. Et on prend la piste avec Jan Wessmeyer qui essaie d'attaquer Ferdinand Habsburg et lui prendre la 2e place. Loin devant, c'est toujours Paul Siliès ici dans la montée du Kemmel. Jan Wessmeyer dépasse le pilote du Lechner Racing School. Siliès mène donc devant Wessmeyer, puis Habsburg, puis Aron et Florian Yannitz, suivi de Max De Vorni. Max De Vorni, aussi pilote du Lechner Racing School. Boris Kolff a essayé de prendre le départ sur des pneus slick, mais malheureusement pour lui, la piste ne s'est pas séchée assez vite. Donc c'était une course très difficile pour le Néerlandais. Avec beaucoup de problèmes d'adhérence bien sûr, avec des slips sur la piste humide. C'est bien logique qu'il soit passé par d'autres pilotes comme Oliver Söderström. Entre temps, toujours le duel entre Wessmeyer et Siliès. Et Wessmeyer qui prend la tête de la course même. Et Nico Otto qui s'attaque à Ferdinand Habsburg, mais qui est aussi menacé par Max De Vorni. Et Wessmeyer qui monte le raidillon comme leader de la course, avec Paul Siliès juste derrière lui. Et Siliès qui est déjà dépassé par Ralf Aron entre temps. Mauvais début de course pour le Poleman, qui perd deux positions en trois tours. Cédric Pirot qui essaie de garder sa position. Jan Wessmeyer et Ralf Aron qui se battent maintenant pour la première place et l'Estonien se rapproche du Néerlandais, suivi de Yannitz, Siliès 4e déjà, Max De Vorni, Nico Otto déjà 6e qui a passé Habsburg, et puis le leader du championnat Anton De Pasquale qui est 7e pour le moment. Wessmeyer qui monte le raidillon avec Ralf Aron juste derrière lui sans doute, ou même à côté. Ils vont côte à côte vers les combes, c'est toujours dangereux. Et Ralf Aron qui glisse et qui sort la piste et qui revient sur la piste, ça peut être dangereux. Et oui, contact avec Wessmeyer, et Wessmeyer qui sort de la piste dans les pneus. Et la course est finie pour Wessmeyer. On revoit l'incident avec la caméra à bord, avec Wessmeyer qui suit sa ligne et qui n'y peut rien. Qui a un contact avec Ralf Aron. Et est-ce que Ralf Aron peut continuer? Oui, l'Estonien est toujours là, toujours en tête de la course, devant Florian Yannitz, suivi de Max De Vorni, le Belge. Et c'est une victoire pour Ralf Aron, belle victoire pour l'Estonien, suivi de Yannitz, et une belle troisième place pour le héros local, Max De Vorni. Nico Otto, meilleure performance de la saison pour lui, 4e. Et Anton De Pasquale, leader du championnat, termine 6e.
Donc un petit incident qui a donné la victoire à Ralph Aron et Jano Esmeijer, bien sûr, n'est pas trop content. Jano, un peu de dégâts, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, dans la deuxième course, je me battais avec Ralph Aron pour la première place. J'ai eu contact avec Ralph Aron et il m'a touché et la voiture s'est levée. À la fin de la ligne droite, il sort de la piste et il revient directement sur la piste, mais il me pousse dans les pneus. Et voilà, il y a eu contact et les pneus étaient assez proches. Ralph Aron qui a donc gagné cette course. Ralph, congratulations, very nice. Ralph, félicitations, une très belle victoire. Oui, merci, I'm très content. Je partais sixième, mais j'avais une voiture fantastique. Et j'ai eu première position. Et est-ce que ces conditions n'étaient pas si faciles? Oui, c'était un peu glissant, mais ça allait bien. Max Dufourny, troisième. Maxime, belle troisième place. Comment c'était la course? C'était bien, j'ai commencé quatrième, j'avais jamais roulé sur la pluie, donc j'ai dû un peu apprendre au fur et à mesure de la course, et puis plus ça allait, plus je revenais sur ceux de devant, mais c'était un peu trop tard, donc sinon c'était bien. Et la condition était difficile? Ça a commencé à sécher, puis après ça a recommencé à pleuvoir en fin de course, donc c'était un peu délicat, mais ça a été. Ça a été donc pour Max de Fourny, et ça a été aussi pour Ralph Aron et Florian Janik. Les deux premiers de la course d'Afourny, troisième, Nico Otto, quatrième, et Ferdinand Habsburg, cinquième. Et c'est la fin de notre reportage depuis Spa. À la prochaine!